Bonjour et bienvenue au parc Astérix pour une vidéo très psy. Oui, c'est un nouveau concept. Osiris vu comme ça, ça donne encore plus envie, n'est-ce pas? Non, faut avouer que s'il y a bien un genre de musique qui colle bien au coaster, et notamment celui-là, c'est bien celui-là. Mais bon, éloignons-nous un temps de notre délire musical et regardons qu'est-ce qui se passe concrètement. On constate qu'Osiris a toujours du nylon alors qu'on est déjà mi-mai. Bizarrement, personne ne va là de ce temps-là. Ça veut dire que ça doit bien mouiller. Et il fait froid, donc on n'a pas spécialement envie de se mouiller. Par contre, quand il fera chaud au mois d'août, ça, ce sera agréable. De ce temps-là, ils n'ont pas sorti le train 2, celui à qui il manquait une rangée en nylon la dernière fois. Ils n'ont pas été fous, il fait froid, ils ont gardé les trains qui ont le plus de rangées en nylon. C'est bien. Maintenant, il faudrait laisser au moins une rangée en été aussi. Ce serait bien, également. Ils ont rajouté des roues à SOS numéro bis. Et du coup, ça peut plus faire de rollback. Ce machin-là arrive à faire plus de bruit qu'Osiris alors qu'il va 10 fois moins vite. C'est quand même pas mal. Il n'y a pas à dire, il en avait besoin de ces hautes frictions. Maintenant, il va quand même plus vite qu'avant. Ouais! Raidons cette merveille! Avec des roues de friction pour plus faire de rollback! En effet, il va un peu plus vite. Mais
du coup, il a retrouvé tous ses défauts, à savoir des vilains jets latéraux, des vilains inconforts. Et oui, il faut avoir mal au prix de ne pas risquer de faire un rollback sur SOS numéro 10. Bon, il s'agirait d'aller le faire maintenant. Parce qu'on n'a toujours pas eu de first row dans tout ça. Maintenant des nuages, ça fait chier. Au ride d'avant, il y avait, c'était plus dégagé, là il n'y a plus rien. Et voilà, le soleil revient quand j'ai fini. Non mais c'est génial. Non, c'est pas grave. Et une attraction en panne, une. Au moins ça rajoute un prétexte supplémentaire pour ne pas le faire. Oui, parce que vous êtes nombreux à vouloir me voir faire ce truc. Je vous réponds que déjà là aujourd'hui je ne peux pas, au moins c'est réglé. Et puis de toute façon, même quand c'est ouvert, il y a toujours du monde, il y a toujours au moins 30 minutes. Alors faire 30 minutes pour ça, c'est hors de question. Si je le fais, c'est à 5 minutes, et encore. Puis bon, si vous voulez le faire, je vous invite à regarder ma vidéo à Nigloland, la première, si je ne dis pas de bêtises, dont j'affiche le lien actuellement en annotation, et vous aurez une on-ride du même truc, avec juste des décors différents. Sinon, autant faire ça, hein, parce que comme on peut voir, il y a full. Ou ça, parce que c'est quand même plus intéressant.
mais il y a plus de monde. Donc au final, on n'est pas décidé. Faudrait que lui aussi subisse le même traitement que son voisin, son cousin SOS numéro bis. Et sans les freins, c'est le syndrome Dragon Khan, ça freine trop en zone demi-parcours. On progresse, ça tourne dans le vide maintenant. Le track switch a tourné. Ils vont certainement ranger un train. Zut. Tout doucement. Ah, faut pas être pressé pour ranger un train là-dessus. Vu la vitesse à laquelle ça va. On a le temps de le voir remonter. Allez, encore un petit effort, on y est presque. Oula, ils ont démonté un... Ils ont démonté un dossier, là, il doit y avoir un problème sur un harnais. Ça y est, dans sa voie de staging. Avec un siège défoncé, on sait pas pourquoi. Est-ce que le harnais est toujours là? Ah oui, le harnais est toujours là, j'ai eu peur qu'ils aient carrément démonté le harnais, mais non. C'est le train neuf en plus, ben ça promet. Si c'est le train neuf qui a des couilles comme ça, moi je dis on est bien parti pour la saison. Faut le retirer, au bout d'un moment il n'y a plus d'autre solution. Faut raser Goudu, faut mettre autre chose à la place. Et maintenant on remet le track switch en position initiale. Et Goudu va tourner à un seul train. Super. Quand je pense que demain je suis également sur le parc, je pense que demain on va pas le faire Goudu. À moins qu'il règle le problème en une soirée, mais j'y crois pas trop. Voilà. Ah non, voilà pas. Ah si, voilà, ça y est. Ah non. Vous allez réussir à mettre en place. C'est pas difficile de faire pivoter un rail quand même. Ah là, c'est bon. Là, il est en place. Bon, ben aujourd'hui, nous ne ferons pas Goût du Rix. Nous ne ferons pas ce coaster qui fait bouger notre tête dans tous les sens, soit le coaster le plus métal du parc. Souffrez bien à bord de cet unique train qui est le plus vieux train du layout. Bon ben au moins ici ça fonctionne toujours. Le seul truc qu'on peut faire de bien parce que c'est pas en panne. On va pas s'en plaindre, c'est un bon coaster. Car il n'y aurait pas eu Osiris. Je n'irai même pas dans ce parc, du moins pas aussi souvent. C'est grâce à lui que j'ai pris un pass annuel. C'est grâce à Osiris. Putain, il y a une salope qui va voler mon first row. Osiris et Parapis, vous êtes maintenant.
moi. J'avais même pas fait gaffe. Donc ça va faire du bruit, ça veut dire. C'est ça? Oui, c'est ça. Et bien pour ma première reverse, enfin première, non, mais je tente une nouvelle technique encore de reverse et je suis servi au niveau du rond. Tenir à deux parce que sinon ça va pas marcher. Allez, attention. Pour ça. Bon, attention, ça peut se barrer en un lift. Hein. En plus, c'est le train 3. Surpris, la surprise. Ce coup de frein. Bien profiter et que la fin de journée approche, par quoi est-ce qu'on pourrait terminer?
Tiens, le deuxième train est revenu. Ils ont réussi à régler le problème plus vite que ce qu'on pensait. Et ils l'ont même remis, du coup. Bon, bah tant mieux, moi je pourrais le faire. Finalement, est-ce que c'est une bonne chose? En fait, non. Bon, moi, il fait encore beau. Et pour celui-là, on va essayer de ne pas dire aïe. C'est très dur dans ce coaster. Alors que ça faisait toujours mal. Non. Ah merde, j'ai dit aïe du coup. Zut. Au niveau des rides, ce sera le dernier. Mais estimons-nous heureux, au moins comme pour le dernier raid de Goudurix, on a eu l'éclaircie pendant, et pas avant et après. Ouah, ce truc a ouvert en fin de journée. Bon, il a peut-être ouvert depuis un peu plus longtemps, mais... Bon, il lui a pas fallu beaucoup de temps pour se remplir. Non mais ce truc-là, je pense que je ne le ferai jamais, hein. C'est bien parti. Déjà que ça m'intéresse tellement pas. Puis en plus, il y a toujours du monde. C'est un débit de merde. Bref, Disco Bélix, non. Autant se prendre des baffes dans Goudurix. Même ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est, ça a l'air super marrant aussi. C'est-à-dire que j'avais fait en 2013, je le referais bien un jour. Mais un jour où il fait plus beau. Mais pas trop chaud non plus, parce qu'il fait chaud dans les bulles. Waouh, bon.
Sur ce, on va y aller, hein, puisqu'en plus il fait froid. Hein. Je vous laisse, je vous dis. Ça bloque. Je vous laisse, je vous dis à plus.